Excellences, Mesdames, Messieurs, chère Madame Backes, bienvenue à l'abbaye de Neumünster, bienvenue à l'Institut Pierre Werner, qui n'est qu'un des organisateurs de ce soir, mais je vous salue en tant que directeur de l'Institut. Je salue aussi nos collègues avec lesquels on a organisé cette soirée, c'est-à-dire surtout l'Université du Luxembourg, et plus précisément le Europe Direct Information Center, le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, qui sont les partenaires de cette soirée. Et je tiens aussi à remercier ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire les archives historiques de l'Union européenne, qui sont domiciliées à Florence, la Stiftung Berliner Mauer à Berlin, la représentation de la Commission européenne à Luxembourg, donc représentée par Mme Backes ce soir, et l'ambassade d'Allemagne à Luxembourg et son ambassadeur. Voilà, nous avons un programme assez intense pendant 3 jours, comme vous savez. Il y aura 2 soirées supplémentaires, une demain également dans cette salle et une troisième au Limpotsberg mercredi soir. Mme Danescu, à laquelle je tiens particulièrement à dire merci parce que c'est elle qui a organisé ces 3 soirées avec l'Institut Pierre Werner, et elle représente le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History. Elle a vraiment fourni un travail remarquable. Je tiens aussi à dire merci à nos 2 invités de ce soir, Patrick Rothman n'étant pas là, mais il est très bien représenté par quelqu'un qui a travaillé, coopéré à la création de ce film, Georges Marion, qui est, comme vous savez, grand reporter, ou qui était grand reporter au Monde, et le professeur Dr. Fickers de l'Université du Luxembourg. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Danescu, qui va vous donner encore quelques détails sur le déroulement de cette soirée et sur le cycle des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Madame Danescu. Merci. Madame la chef de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, chers orateurs invités, excellences, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais également vous saluer de la part du Europe Direct Information Center pour l'honneur que vous nous faites d'être ici ce soir. Ces manifestations par lesquelles nous commençons le cycle dont M. Franck a fait allusion tout à l'heure, sont consacrés à un événement capital du XXe siècle, la chute du mur de Berlin, qui a changé la face de l'histoire du siècle passé et qui a changé la géopolitique. Un mot sur l'EDIC, Europe Direct Information Center. C'est un programme compétitif de la Commission européenne auquel l'Université de Luxembourg a adhéré récemment. Et l'objectif de ce programme, c'est de familiariser la société dans sa déclinaison la plus large possible avec les questions liées au passé et au présent de l'Europe, mais surtout débattre de l'avenir. Nous réalisons ceci à l'Université de Luxembourg par des conférences, des séminaires, des expositions, mais également grâce à une documentation sur les valeurs, les principes, les institutions de l'Europe, pour lesquelles nous sommes bien placés, car Luxembourg est une capitale permanente des institutions européennes et en même temps le moteur de la grande région. Le pilotage de l'EDIC de l'Université de Luxembourg est réalisé par le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, qui est le 3e centre interdisciplinaire de l'Université de Luxembourg, spécialisé en histoire contemporaine de l'Europe, histoire du Luxembourg, histoire digitale et public history, et qui est dirigé par le professeur Andreas Fickers, ici présent. Je voudrais remercier nos partenaires, qui sont tout d'abord l'Institut Pierre Werner, et je remercie le directeur Olivier Franck et son équipe, la représentation de la Commission européenne, que je remercie, ainsi que son équipe. Je remercie le professeur Fickers, mon patron, et mes collègues pour tout l'appui qu'ils ont fourni à l'organisation de ces événements. Un mot particulier pour Johanna da Silva, qui a intégré notre équipe récemment.
comme je souhaite remercier les archives historiques de l'Union européenne à Florence, la Stiftung Berlinama, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Luxembourg, ainsi que la radio publique 100.7 qui fera l'enregistrement de ces manifestations. L'enregistrement est également effectué par nos collègues de l'Université du Média Centre, que je remercie Alexandre Germain particulièrement ce soir. La manifestation d'aujourd'hui se cristallise autour du film de Patrick Rothman « Un mur à Berlin » qui sera suivi après la projection par un dialogue des orateurs invités de ce soir. Et permettez-moi de vous les présenter. Je commence par M. Georges Marion, qui est devenu journaliste en 1976 en collaborant à plusieurs journaux, Rouge, Le Nouvel Observateur, Le Canard Enchaîné et enfin Au Monde, où il est définitivement entré en 1986 pour le quitter 20 ans plus tard lors de son départ à la retraite. Il a été grand journaliste d'investigation et il était un témoin direct aussi bien de la chute du mur de Berlin que de la révolution roumaine en 1989. Il fut par la suite correspondant à Berlin depuis l'automne 2001, où il reste en poste jusqu'en 2006. Il est donc un fin connaisseur de l'Allemagne et il a collaboré avec Patrick Rothman, le réalisateur du documentaire de ce soir, à la réalisation d'un mur à Berlin. Depuis 2013, M. Marion tient le blog intitulé « Ma boîte à souvenirs » sur le site Arrêt sur image. Monsieur Marion sera en dialogue avec le professeur Andreas Vickers, qui est directeur depuis octobre 2016 du troisième centre interdisciplinaire de l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, et qui a fait des études en histoire, philosophie et sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2002 à l'Université de Aachen. Il a travaillé comme professeur pour l'histoire de la télévision à l'Université d'Utrecht entre 2003 et 2007 et par la suite comme professeur agrégé pour l'histoire des médias comparatifs à l'Université de Maastricht. Actuellement, le professeur Vickers enseigne l'histoire contemporaine et numérique à l'Université de Luxembourg. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée aujourd'hui et les soirées qui vont suivre toute cette semaine. Merci. C'est évidemment un film émouvant et je suis très content d'avoir parmi nous quelqu'un qui a donc collaboré dans la réalisation de ce film. Ça fait 10 ans. Que ce film a été réalisé, il est plein d'actualité. On a l'impression que c'est fait aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez un peu nous raconter quelles étaient vos ambitions dans la réalisation de ce film et quel était, disons, le message que Patrick Rothman a voulu transporter avec ce documentaire. Mais d'abord, je voudrais vous dire que ça fait effectivement 10 ans que ce film a été tourné. En le voyant, même si je peux en déplorer avec le recul quelques longueurs ou inadéquations à un rythme cinématographique, peut-être pas toujours maîtrisé, en tout cas pas comme on l'avait voulu, à quel point ce film m'a ému une fois encore. Non pas parce que j'y ai participé, mais là je suis comme spectateur. Évidemment, j'ai recherché, c'était ça ma participation, trouver les témoins, discuter avec eux, essayer de leur extraire ce qui pouvait accompagner le film et en constituer sa substance. Et les voir 10 ans après, certains sont décédés depuis, je suppose, ça m'émeut toujours autant. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Pour souligner à quel point d'ailleurs l'événement était émouvant également. On viendra peut-être là-dessus plus tard. Alors, en ce qui concerne la conception même du film, c'est
Là aussi, vous avez un produit fini, nous avons un produit fini qui ne correspond pas du tout, mais alors je peux vous dire pas du tout à ce que nous avions envisagé au départ. Au départ, vous faites un film, bon, le 20e anniversaire, on s'est dit, il y a quelque chose quand même important, c'était une époque fondamentale dans l'histoire de l'Europe d'après-guerre. Il faut faire un film. Par intérêt, j'étais journaliste, Patrick Rothman est un ancien journaliste avant de s'intéresser au film, et puis par sensibilité politique, lui comme moi, on a vécu, nous sommes une génération qui avons vécu l'après-guerre, et qui avons vécu la guerre froide, ses conséquences, les débordements, la guerre froide et ses conséquences qui ont y compris affecté nos sociétés à l'ouest plutôt, ce qui s'est passé en France en mai 68, ce qui s'est passé en Allemagne de l'ouest à Berlin avant 68, enfin tout ça, ça fait partie de notre histoire, donc on était déjà dans cette histoire-là. Et on s'est dit, on va faire un film, bon. Alors, comme on fait d'habitude, on réfléchit, qu'est-ce qu'on veut montrer ? La première chose à faire pour un documentaire historique, c'est que vous pouvez difficilement vous échapper du rythme chronologique. C'est pas une œuvre de fiction. On peut évidemment, dans une œuvre de fiction, même qui traite d'histoire, aller en avant, revenir en arrière, faire des flashbacks, etc. Là, c'est plus compliqué parce que vous êtes régi par la rigueur des documents que vous cherchez et que vous trouverez peut-être. Donc, on s'est dit, on va devoir d'abord maîtriser la chronologie, mais pas la rendre ennuyeuse, quoi. Nous avons tous en tête, vous comme moi, à quel point l'enseignement de l'histoire pouvait être parfois barbant, quoi, chiant, comme on dit aujourd'hui vulgairement, parce que c'était une succession de dates qu'il fallait retenir. Et le cinéma, c'est pas une succession, ça ne peut pas être une succession de dates au risque d'être mortel. Donc, comment marier la chronologie avec le rythme d'un film, d'un documentaire. Ça, c'était le premier problème que nous avions. Le deuxième problème, c'était de trouver les témoins. Alors ça a été ma principale, avec ma collègue Claudia Klein, qui apparaît au générique également, ça a été la principale, ma principale fonction. On a trouvé beaucoup. Bon, je me souviens plus tellement des détails. Enfin, il y a des moments, c'était un peu compliqué, d'autres un peu moins, mais on en a trouvé beaucoup. Et je peux vous dire, on le voit à la fin du générique, d'ailleurs, défiler la liste des témoins. Vous n'avez pas vu à l'écran, dans le film final, la moitié de ces témoins-là. C'est-à-dire, nous avons eu beaucoup trop de matériel, de matériaux, qu'on n'a pas pu exploiter, si ce n'est dans les commentaires qui accompagnent dans le discours, qui accompagne le défilé des images. Certains de ces commentaires sont largement imprégnés de ce que nous ont raconté au cours de leur entretien, de leur interview, les gens que vous n'avez pas vus sur l'écran. Ça, c'était le deuxième problème. On avait trop de matériaux. Ensuite, il y a eu le problème de trouver les images et qui correspondent aux entretiens que nous avions eus. Et ça donne ce film-là. Alors, ce film-là, avec moins de témoins, et un film dont le final ne correspond pas beaucoup au scénario initial. Parce que nous avons nous-mêmes été confrontés à des choses, soit qu'on ignorait, soit qu'on avait sous-estimées. Et alors, je me faisais la réflexion tout à l'heure en regardant, il y a ce chanteur, Gerd Schön, je ne sais pas s'il est connu ici au Luxembourg. En France, je vous dis tout de suite, il ne l'est pas du tout. En Allemagne, il l'était un peu, en tout cas parmi une certaine couche intellectuelle et artistique. Et Schön nous a dit, moi en tout cas, c'était la première fois que j'avais entendu ça, il a dit à quel point, tout en étant contestataire, il n'était pas question pour lui d'abandonner aux mains de ceux qu'il combattait, le pays qu'il voulait rester, le faire évoluer de l'intérieur et qu'il n'émigrerait pas. Et je pense à ça parce que c'est un peu un écho. On entend aujourd'hui des commentaires sur le thème l'Allemagne de l'Est, ce qui s'est passé ensuite, la réunification allemande, peut-être on en discutera, ne correspondait pas à ce que voulaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient
une amélioration de leur état et non pas cette, certains disent aujourd'hui annexion, c'est pas mon cas, hein, je le dis tout de suite, mais ils ne voulaient pas que l'Allemagne de l'Est soit engloutie par l'Allemagne de l'Ouest. C'est très actuel ce débat, je l'ai vu depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, il y a eu j'ai vu dans la presse française des tribunes autour de cela, et Schön était le premier qui a évoqué ça. Et après, il y a eu quelqu'un qu'on ne voit pas à l'écran, qui était Jens Reich, qui était un scientifique de très haut niveau, qui a également parlé de ça. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Bon, donc un film avec au départ une perspective, pour répondre à votre question, un film intéressant, intelligent, historique, tout ce qu'on veut, et puis au départ, un produit qui est assez différent de ce que vous avez envisagé. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais encore peut-être une petite question avant d'ouvrir la discussion. C'est, est-ce que vous ferez le même genre de film, ou pourriez faire le même genre de film, maintenant? Vous avez mentionné ce débat, aussi cette politique de mémoire des années récentes, où on parle beaucoup plus de nostalgie, des mentalités qui n'ont pas tellement vite changé, donc le mur est tombé, mais les murs dans les têtes, souvent ça reste beaucoup plus longtemps. Est-ce que aujourd'hui, vous pourriez faire le même film? Vraisemblablement pas. Mais il est toujours, vous savez, je crois que la plupart d'entre vous êtes des historiens, à quel point il est difficile d'interpréter l'histoire à partir de ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a souvent dans les débats, non pas d'historiens professionnels, mais de gens qui parlent d'histoire, cette espèce de dérapage chronologique entre la réalité des faits et leur interprétation post-fait. Je sais pas, je crois que je ne pourrais pas refaire le même film. On sait d'abord beaucoup plus de choses qu'on ne savait à l'époque. En 10 ans, il y a eu beaucoup d'histoires. Les archives de la Stasi, pour ne parler que de ça, se sont ouvertes. On a pu voir pas mal de choses. Beaucoup d'anciens responsables soviétiques se sont exprimés beaucoup plus qu'ils ne s'étaient exprimés il y a 10 ans. Gorbatchev et son ami, enfin son porte-parole Gratchev, bon, ils disent un certain nombre de choses, mais depuis, il y a beaucoup plus de soviétiques, ou d'anciens soviétiques plutôt, qui ont dit d'autres choses. Bon, je pense que c'était pas possible. Et puis, peut-être aussi, le point de vue eût été différent, parce que il y a 20 ans, nous étions très soucieux de la nécessité de remettre en perspective historique ce qui s'était passé. La chute du mur, c'était pas qu'une affaire de maçonnerie qui tombe. C'était tout un système qui était ébranlé et il fallait expliquer d'où ça venait. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Je trouve que c'est un peu long aujourd'hui. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était plus nécessaire que ça ne serait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fallait rappeler l'affaire de 53, la Pologne, la Hongrie, évidemment, toutes les difficultés économiques des États socialistes, la crise des missiles à Cuba. Et aujourd'hui, peut-être que c'est mieux maîtrisé, qu'on pourrait y aller plus rapidement. Bon, peut-être qu'on peut déjà prendre quelques questions, s'il y en a, des participants. J'en vois pas actuellement. Une question que moi-même je me suis posée, c'est il n'y a pas vraiment une écriture française que je vois dans cette narration des événements et de l'interprétation de l'histoire, ça reste assez neutre, ça reste objectif en quelque sorte. Bien sûr que l'ouverture, quand même, on crée beaucoup d'empathie pour les Berlinois, mais il n'y a pas vraiment une interprétation des faits dans une perspective française. Qu'eût été une interprétation française de la question. Moi, si vous voulez faire allusion à ce qu'était la diplomatie française par rapport, c'est de ça dont vous parlez,
Bon, c'était pas notre sujet. Moi, je me souviens, j'étais donc au moment de la chute du mur, pas le jour même, mais quelques deux semaines après, et j'étais à Berlin lorsque est arrivé le président Mitterrand et son gouvernement. Enfin, c'était une visite qui était organisée en RDA bien avant les événements que nous vivions à l'époque. Et effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que bon, ils étaient un peu dépassés, ne sachant pas trop comment ça allait déboucher. Alors, cœur défendant, on doit dire que je crois que personne ne le savait réellement. Ça a été tellement vite. Et puis surtout, craignant ce qui était à l'époque, je crois que ça a changé depuis, une constante de la politique française, c'est-à-dire regardant, certes, il y avait un rapport privilégié entre la France et l'Allemagne fédérale d'abord, et puis toute l'Allemagne ensuite, mais il y avait un peu une méfiance, on n'efface pas aussi facilement les histoires douloureuses qui se sont déroulées pendant plus de 100 ans. Et on sentait Mitterrand, et moins Mitterrand, bon, qui ne s'est pas beaucoup exprimé là-dessus, que ses conseillers. C'est avec eux qu'on discutait, nous les journalistes. C'est-à-dire, ils ne nous demandaient pas de solution, qu'on ne voulait d'ailleurs pas, qu'on n'était pas incapable de donner, mais ils voulaient avoir un point de vue. Ils se disaient, c'est comme s'ils se disaient, il nous a échappé quelque chose dans cette histoire, alors dites-moi un peu ce que vous voyez, comment vous en voyez les choses, etc. Et on sentait à travers les questions qu'ils nous posaient, une espèce d'incertitude sur ce qui devait être la politique française à l'égard de ce qui allait devenir le processus de réunification. Il est vrai à l'époque, pour être tout à fait honnête, que personne ne parlait encore de réunification. On disait, bon, il n'y a plus de mur, il y a une seule nation allemande, comment politiquement ça allait se traduire, personne ne savait trop. Quelques-uns, effectivement, je dirais les plus excités, paradoxalement, disaient ben, c'est simple, ben, un seul État allemand. Bon, certes, mais à qui ? Qui dirige ? Quel système ? On ne savait pas. Ce n'est venu qu'un an après les élections qui ont donné l'Allemagne fédérale que nous connaissons aujourd'hui. Je vois là qu'il y a des questions de la salle. Vous avez évoqué avec beaucoup de justesse la crise des ambassades comme un moment essentiel allant vers la chute du mur. J'avais le sentiment à l'époque, et je l'ai encore maintenant, d'une accélération entre cette crise des ambassades qui avait duré des mois et la chute du mur qui se fait en deux jours. C'était un sentiment très étrange, je dirais, qu'on puisse passer d'une crise très lente à une crise très rapide. Alors, je ne sais pas si, d'un point de vue historien, on voit ça différent du point de vue journaliste, mais je pense que c'est un point intéressant. Et l'autre question que je me suis posée, vous parlez du mur de Berlin, mais il y avait évidemment l'autre mur, le mur qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Est-ce que vous auriez pu faire un film comparable sur ce mur-là, ou est-ce qu'il aurait été très différent ? Non, il n'aurait pas été différent. Il n'aurait pas été différent. Il aurait été différent parce que ce n'est pas les mêmes problèmes, ni les mêmes populations. Mais la logique d'un film sur le mur qui séparait, qui coupait l'Allemagne en deux, était la même. Il fallait empêcher les forces vives d'un État qui était la RDA de passer de l'autre côté, quelles que soient les raisons qui invoquaient ceux qui passaient. Difficultés économiques, soucis de la liberté, anticommunisme, que sais-je encore. Ce n'est pas univoque. Donc on aurait fait un film de ce point de vue-là un peu identique, c'est-à-dire les gens qui veulent passer de l'autre côté. Alors, ce qui aurait été différent, c'était le fonctionnement même du mur sur l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à Berlin, c'était très symbolique, donc le mur était extrêmement gardé. On a vu cette succession d'obstacles infranchissables. Enfin, c'était d'un point de vue... Vauban a construit une forteresse pas loin d'ici. Il a à apprendre, parce que c'était extraordinaire. Et de fait, entre 61 et 89, il n'y eut que, je mets que entre guillemets, moins de 6 000 personnes qui ont réussi à passer.
ça montre l'efficacité du système. Alors qu'avant, jusqu'en 61, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le mur a été construit, selon les années, c'était de 200 à 300 000 personnes par an qui passaient. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit sur l'autre mur, le mur dont personne ne parle? J'aurais sans doute raconté une histoire beaucoup plus dure. Il faut savoir que, enfin, vous le savez, je suppose que c'était une zone où il y avait des mitrailleuses automatiques, ce qui n'a jamais été le cas à Berlin. Il y a eu quelques erreurs qui ont été faites quand j'ai entendu les comptes rendus, etc., dans la presse. À Berlin, il n'y avait pas de mitrailleuses automatiques, de tirs automatiques, parce qu'il y avait de l'autre côté la presse, notamment, donc, dont je m'honorais de faire partie, qui aurait tout de suite donné une dimension, une publicité exceptionnelle à un tel événement. Mais dans les campagnes d'Allemagne de l'Est, là, il y avait une totale liberté de tirer. Et je crois qu'ils ne s'en sont pas, ils n'ont pas épargné cette possibilité. Ils s'en sont servis. Ça, j'aurais raconté sans doute. Ce que j'aurais dû raconter aussi, si j'avais fait ce film là-bas, c'est que le paysage économique était terriblement affecté par la présence de ce mur. Ça se voyait pas à Berlin parce que, pour les mêmes raisons que Berlin-Ouest était pour les Occidentaux une perle idéologique qu'il fallait faire briller, de l'autre côté, avec beaucoup moins de moyens et d'intelligence, il fallait également montrer que la capitale de la RDA était le phare du futur, du socialisme futur. Mais dans les campagnes, c'était très très différent, c'était beaucoup plus dur. Donc ça, on aurait raconté différemment. C'est ce que je vois, en tout cas, pour le moment. Vous avez posé la question du dynamisme historique. C'est bien sûr au cœur des réflexions des historiens de comprendre ces moments où quelque chose éclate. Les structures, ça change beaucoup plus lentement. On connaît le problème depuis des dizaines d'années. Le mur est là pendant presque 30 ans. Et tout à coup, il y a quelque chose qui explose. Et c'est un historien américain, Charles Tilly, qui a écrit un livre sur l'histoire des révolutions. Il a dit qu'il y a plein de moments révolutionnaires dans l'histoire, mais très peu de révolutions réelles. Et c'est ça qu'a bien montré ce film, je pense, qu'il y a des moments historiques où il y a une certaine dynamique qui se développe qu'on ne peut pas contrôler. Même s'il y a un système autoritaire, s'il y a la Stasi qui contrôle tout, qui voit tout, il peut y avoir des moments où tout change. Et c'est ça qui fait l'histoire. L'histoire est ouverte par définition. Et je trouve ce que ce film montre, c'est cette dynamique du moment. Et dans une perspective micro-histoire, c'est l'engagement civique, à la fin, qui change. C'est toujours l'histoire, c'est l'histoire des gens, du peuple. C'est pas l'histoire des structures, c'est pas l'histoire des systèmes politiques. C'est ça qui, le moteur de changement, c'est l'humain. Et c'est ça qu'on voit très bien dans ce film. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, effectivement. Moi, ça m'a beaucoup frappé aussi. On est vite passé, peut-être trop vite, sur l'épisode où Gunther Schabowski, qui est membre du bureau politique à l'époque et qui donne cette conférence de presse et qui dit c'est à partir de ce soir. Et c'est précisément ça l'accélération de l'histoire. C'est qu'il est vrai que le nouveau gouvernement d'Allemagne de l'Est à l'époque, donc Honecker est débarqué et on met à la place Egon Krenz, il est vrai que ce gouvernement ne pouvait pas mettre de côté, entre autres, il y avait deux problèmes importants, mais ne pouvait pas mettre de côté la question de ce flux ininterrompu de gens qui s'échappent. C'était des dizaines, des centaines de milliers. Donc, aucun pays ne peut vivre avec une telle fuite de ses citoyens. Donc, il devait faire quelque chose. Il y a eu une longue discussion, ça on l'a su après, sur ce qu'il fallait faire, alors pas tellement sur ce qu'il fallait faire, mais comment il fallait le faire pour en limiter les conséquences possibles.
Mais c'était en pleine confusion. Et ce que montre le film et l'histoire, c'est que Chabowski arrive effectivement à la conférence de presse, briefé, et ça c'est quelque chose qu'il m'a raconté, moi je l'ai longuement interviewé après, briefé en disant, écoute, le camarade, le bureau politique a décidé de... Il n'était pas à cette réunion-là, bien que membre du bureau politique, il n'y était pas parce qu'il courait sur tous les fronts, a décidé, on va réorganiser tout ça et tu peux l'annoncer. Mais on ne lui a pas donné le mode d'emploi, on lui a dit, voilà la direction. Et il y a eu ce petit dérapage historique, petit dérapage verbal, trois mots, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, qui ont fait l'histoire. Ça, c'est assez merveilleux. C'est-à-dire que, bon, il était... il savait pas trop, ça allait dans cette direction, mais il savait pas. Donc il l'a dit, on sait jamais. Ça, c'était le premier dérapage. Et puis l'autre dérapage, c'est moi, ça m'a toujours frappé, c'est le témoignage de Jaeger, le colonel, le lieutenant-colonel des troupes des gardes-frontières à Bornholmstrasse. Il exprime très bien ce qu'est une force de police, une armée ou une force de répression dans une dictature à partir du moment où le sommet vacille, hésite. Ça fonctionne très bien tant que le sommet a l'air de... Voilà. C'est dire pour ça, entre parenthèses, que les Chinois, après la place Tiananmen, le Parti communiste chinois est resté au pouvoir. Il a manifesté une espèce de inflexibilité qui est terrible, qui est tragique, mais qui lui a sauvé la mise. Là, en Allemagne de l'Est, moi, ça m'a toujours frappé, la troupe n'a pas tiré. Ils auraient pu tirer, après tout. On ne sait pas très bien ce qui serait passé, mais ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils sentaient bien qu'au sommet de l'État, il y avait une incertitude ce qu'il fallait faire. Et c'est terrible dans une dictature, lorsque les troupes ne sont plus encadrées, ne savent pas que le chef, ne savent plus ce que le chef veut, et bien, tout part très vite. Vous n'avez rien. Ah, mon français est trop. On a parlé seulement le mot, on a dit seulement le mot Stasi, mais pas un petit peu une explication du système de Stasi. Pardonnez-moi mon français, monsieur. Non, mais. Aucun problème. Okay. Écoutez. Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question, en tout cas de l'avoir cernée. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la Stasi, d'où elle vient ou... Bien sûr. Bien sûr. On a seulement dit une fois la Stasi, c'est tout. Mais je veux un petit peu plus savoir de le système ou dans ce système dictatorial. Apparemment, vous devez le connaître aussi bien que moi et sans doute mieux. La Stasi, c'était 90 000 hommes au moment de la chute du mur et 170 000 IM, inofficiels. Comment dire, Mitarbeiter, oui. Bon, c'est-à-dire 170 000 mouchards qui occupaient l'ensemble des étages de la société est-allemande. C'est un système fantastique qui encadrait vraiment la société. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là-dessus ? Cette histoire quand même montre qu'il ne suffit pas d'encadrer la société. Si vous voulez vous maintenir au pouvoir... jusqu'au bout, il faut avoir les moyens et encore plus la volonté de réprimer de façon sanglante si c'est nécessaire. Je constate qu'ils ne l'ont pas eu. Pour toute une série de raisons, entre autres parce que le principal ordonnateur de la chose, c'est-à-dire l'Union soviétique, a mis les pouces, a dit « nous, on ne marche plus ». Si vous avez des problèmes, maintenant vous les réglez tout seul. On n'enverra pas nos chars.
Il faut se rappeler, enfin tout le monde s'en rappelle, que la répression des émeutes ouvrières de 1953, c'est les chars soviétiques qui la font. C'est pas les troupes ou la police est-allemande. Essentiellement, ce sont les chars soviétiques. C'est la même chose en Hongrie en 1956. C'est moins vrai en Pologne ensuite. Mais bon, voilà. La Stasi, c'était aussi une... Je ne sais pas, c'est compliqué. J'ai l'impression que j'entends dans votre question une interpellation en disant « Est-ce qu'on peut comparer la Stasi avec la SS ?» Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire ou poser comme question ? Bon, alors... Vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé de la Stasi dans le cours du film ? Peut-être. Je n'ai pas l'impression qu'elle est absente. Oui, pour moi, elle est absente. Pour vous, elle est absente. Oui, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'auriez-vous fait à notre place ? Ce n'est pas un défi que je vous lance, hein, mais vraiment... Non. Vous réalisez un film et vous racontez une histoire d'un pays depuis 30 ans ou plus, et dans ce système, il y a encore un système qui a toujours... oppresser les gens ou comment on dit ça, les gens n'étaient pas libres, comment ça fonctionne, comment ça fait, on peut un petit peu, comme moi je suis dans, je sais pas, dans un groupe et il y a quelqu'un qui m'observe ou qui me presse, comment on dit ça, c'est terrible et je veux savoir comment les gens, au fond, les gens se sentent et comment on réagit ou comment on peut vivre dans un système, on peut rien faire, on peut pas se rassembler, comment... Écoutez, je crois d'abord qu'il convient de dire que la République démocratique allemande n'était pas... un état de répression brutale. C'était un état de répression plus sophistiqué. C'est-à-dire que l'ensemble de la société organisait la répression et son auto-répression. Et s'est organisé. Je crois que les Allemands de l'Est sont assez vite compris. Comme les Allemands de l'Ouest d'ailleurs. Bon, parce que, il faut bien le dire, il y a eu la construction du mur, ils ont protesté. Mais c'est dit dans le film, personne ne pensait qu'une guerre, qu'un mur valait une guerre mondiale. Guerre thermonucléaire éventuelle. Donc, des deux côtés, et de l'Allemagne de l'Est, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, on s'est organisé en fonction de cette réalité brutale du rapport de force Est-Ouest. Et les gens, alors évidemment, ils savaient jusqu'où il fallait aller trop loin. Ils savaient s'arrêter. L'interview de cette dame, Jutta Breitz, est symptomatique de ce que... C'est pas repris dans le film, mais moi je l'ai interviewée, je sais très bien ce qu'elle m'a dit. Elle n'a pas quitté la RDA par anticommunisme, parce qu'elle croyait aux forces, à une démocratie représentative telle qu'on le pense à l'Ouest, etc. Elle a quitté la RDA. C'est drôle à dire, parce que son mari, au cours d'un voyage précédent, était passé à l'Ouest, parce qu'il travaillait avec des industries à l'Ouest, et il n'était pas revenu. Elle voulait le récupérer. Donc, elle est partie en Tchécoslovaquie, elle a occupé l'ambassade, et puis bon, elle a retrouvé d'ailleurs son mari ensuite, et ils sont revenus vivre à Berlin-Est, d'ailleurs. Donc, chacun faisait avec, je crois. Et la Stasi était la petite chose qui montrait jusqu'où on pouvait aller, pas au-delà. Il y avait des emprisonnements, il y avait beaucoup de décisions arbitraires. Il n'y a pas eu, contrairement à l'Union soviétique dans les années 30, par exemple, ou même en Pologne, en Tchécoslovaquie. Il n'y a pas eu en Allemagne de l'Est les procès staliniens. Donc, vous avez un organe de répression qui marche un peu sur des œufs, qui ne fait pas n'importe quoi. Même s'il est nombreux, extrêmement bien organisé, il contrebalance
les limites qu'il s'est imposées, que le pouvoir politique lui a imposées, par une organisation extrêmement développée, qui espionne toute la société. Mais on a bien vu que cet espionnage qui fonctionnait très très bien n'a pas empêché, à un moment donné, le basculement. Ah oui, merci. Merci. Je reviens sur la référence à la Pologne. Vous avez mentionné Lechwałęsa et bien sûr l'événement des hommes, l'influence des hommes sur des événements est énorme. Quelle est, suivant vous, l'influence d'un autre Polonais qui était à Rome, Jean-Paul II, dans le contexte et aussi de Jaruzelski lui-même pour ce changement de régime? Merci. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. Il est évident que Jean-Paul II a eu une influence énorme dans un pays dans un pays où le catholicisme est une religion largement partagée, enfin, même au-delà. Je ne dis pas que c'est une religion d'État, mais enfin, il y a même aujourd'hui, je crois que la grande majorité des Polonais se reconnaissent dans le catholicisme, et je crois savoir ou comprendre que une partie de cette réalité-là mobilise des forces politiques plutôt conservatrices en matière de mœurs. Hein. Je ne parle pas je ne parle pas de ce qui se passe entre la Pologne et l'Union européenne, mais en matière de mœurs, on l'a vu récemment, l'adhésion à un catholicisme plutôt conservateur, ou en tout cas traditionnel, fait que bon, Jean-Paul II ne pouvait avoir qu'une grande influence sur le mouvement social et ouvrier, et même ouvrier en Pologne. Voilà. Ce n'était pas le cas en Allemagne de l'Est. Encore qu'en Allemagne de l'Est, on a vu ces interviews de deux pasteurs qui ont joué un rôle, Albani d'une part et Führer, bon, un nom triste en Allemagne, mais enfin, il s'appelait, qui était le pasteur de Leipzig. On a bien vu qu'il y avait également une référence au christianisme, en tout cas une forme traditionnelle du christianisme protestant dans les événements et de la définition des individus par rapport aux événements. C'est vrai que en Allemagne de l'Est, une bonne partie de l'opposition, la plus dévouée au standard de la liberté et du libre examen et de la libre parole, venait des milieux chrétiens protestants, c'est exact. Ça marche. Combien de temps est-ce qu'on a pour la discussion? Encore un quart d'heure, d'accord. On a encore le temps pour quelques questions. Je voulais savoir, tous les membres de la Stasi, du Vopo, c'était garde frontière, ce qu'il était advenu d'eux après la chute du mur? Alors, les trois institutions que vous avez citées ne sont pas identiques. Ils participaient tous au pouvoir de l'État, bien sûr, et au pouvoir de répression de l'État, mais pas au même niveau. Ce qu'on appelle les Vopo, la Volkspolizei, c'est les agents de police dans la rue. Bon, ceux-là, un certain nombre d'entre eux ont été reconvertis dans la police fédérale, tout simplement, au même niveau. Ont dû être tous les corps ont été soumis à un examen de leur situation, y compris de leur situation politique. Étaient-ils membres du parti? Avaient-ils des responsabilités dans le parti? Étaient-ils susceptibles d'être poursuivis par une justice pour des atteintes à droits de l'homme, etc. Tous à peu près. Bon. Mais la Volkspolizei ne jouait pas un rôle important. D'ailleurs, vous voyez, lorsque Gorbatchev vient à Berlin et il y a ce dîner d'État, à un moment donné, il y a des manifestants devant le palais de la République où se tient le dîner, et on voit une file de policiers un peu débonnaires traverser. Bon, ça, c'est la Volkspolizei qu'on ne pouvait pas accuser. Et ils avaient plutôt de bons contacts avec la population, ça, c'est une chose. Les gardes frontières, c'est plus compliqué, et la Stasi, c'est encore un autre problème. Les gardes frontières, c'est des policiers contrôlés par la Stasi.
et dont les cadres sont membres de la Stasi, c'est-à-dire font partie de la Stasi-Reit, du MFS dirigé par Erich Milke, qui est un communiste plutôt dur, quoi. C'est pas du tout un négociateur, bon, et qui avait l'habitude de dire que mes troupes, c'est la nouvelle Tchéka, quoi. La référence était évidente, et ça montrait qu'il n'était pas un gars très libéral. Et les gardes-frontières étaient sous cette autorité-là. Et le chef à Bornholmstrasse, donc, est lieutenant-colonel de la Stasi-Sicherheit, mais il s'occupe que de la frontière. Donc son problème, lui, c'est d'assurer la gestion des flux, essayer d'avoir de l'information. Et d'ailleurs, son service avait des gens spécialisés dans le recueil d'informations. C'est-à-dire que vous arrêtiez une voiture, on la fouillait évidemment, on disait, bon, on va voir si vos papiers sont en règle. Les papiers disparaissaient dans un bureau à côté, et puis on photographiait toutes les, pour voir où la personne qui passait avait déjà voyagé, est-ce que son nom coïncide avec d'autres noms, etc., etc. Donc il y avait un travail de recueil d'informations. Mais ils n'étaient pas, eux, directement affectés à la répression d'opposants politiques. Et puis il y avait la Stasi proprement dite, ceux qui, il y avait différents services qui s'en occupaient et qui, eux, s'occupaient de répression politique. C'est eux qui faisaient les enquêtes. Vous avez dû voir ce film, dont j'ai oublié le titre allemand, La vie des autres, je crois. C'est comme ça. Voilà, Das Leben der anderen. Ça, c'est, il y a un officier de la Stasi qui tourne mal, et lui, c'est ça la Stasi. Alors, ces gens-là, à la chute du mur, ont eu le choix entre démissionner et partir, et bon, ou être, après examen de leur situation, versés dans une troupe de sécurité dans l'Allemagne fédérale. Je crois que 20 ou 25% des anciens de la Stasi ont réussi l'examen et sont passés, ont changé d'uniforme, quoi. En quelque sorte. Pas pour faire le même travail, du moins j'espère. Mais bon, ils ont changé d'uniforme. Oui, bien sûr. Mais, kann jemand übersetzen, wenn ich Deutsch spreche? Ich verstehe. Gut. Also die Stasi-Leute haben nicht die Uniform gewechselt. Es gab einen großen Prozess der Aufarbeitung. Und wer als Stasi-Mann geoutet wurde als IM oder als Stasi-Mitarbeiter, hat keinen Job in der Administration und schon gar nicht in den bewaffneten Organen mehr bekommen. Also das stimmt nicht, dass die Seiten gewechselt hätten. Das gilt höchstens für ein paar Offiziere der Volksarmee, also der Armee, aber nicht für die Stasi. Ich habe von 20% nicht mal 20%. Also es gab... Es gab wirklich eine große Aufarbeitung durch das durch die Institution, die Stasi-Akten verwaltet, Gauk-Behörde, genau. Und wenn jemand durch die Maschen gerutscht ist, mag es sein, das sind aber nicht 20%. Also ich denke, da ist die Aufarbeitung sehr, sehr intensiv vonstatten gegangen. Non, vous avez raison, c'est ce truc-là. Okay, pardon. Non, la question, plutôt l'intervention de monsieur était de dire que ce que je disais était faux, qu'en réalité, il n'y a pas eu 20% des membres de la Stasi qui ont changé d'uniforme, mais ça a été extrêmement minutieux et quasiment aucun n'a passé. Donc nous avons un différent, et il ajoutait que, en ce qui concerne l'armée, l'armée populaire, pas les organes de répression, là il y a eu une situation un peu différente. Il a à la fois, à mon sens, bon, mais sous réserve de mes souvenirs soient corrects, à la fois raison et tort, j'ai bien le souvenir que pour l'armée ça a été un peu plus facile. Je connais d'ailleurs des officiers qui sont passés de l'un à l'autre. Pour la Stasi, peut-être a-t-il raison. Bon, sous réserve de regarder mes fiches et mes notes de l'époque. Mais ce que je veux dire, bon, laissons ça de côté. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a, les cas ont été vus de façon extrêmement minutieuse, mais je crois que la Stasi n'était pas cette espèce de machine
monolithique qu'on a parfois décrit. Il y avait différents services, et bon, je crois que c'est dans l'interprétation du sort personnel de ces différents services qu'il peut y avoir une divergence. En ce qui concerne Koch, le lieutenant-colonel, il est après, on lui a proposé de passer dans le corps des gardes-frontières de l'Allemagne fédérale, ce qu'il a refusé. Il se définissait comme communiste et il avait le sentiment que ça aurait été trahir ses convictions, même si elles en avaient pris un coup depuis quelques années, que de changer justement d'uniforme. Donc il a refusé et pendant 10 ans, il a survécu en vendant des journaux. Bon, il était lieutenant-colonel, hein, le salaire n'était pas le même. Il a vendu des journaux et puis il a terminé sa carrière avant de partir à la retraite en étant collaborateur dans une petite agence de sécurité ouest-allemande. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est pour ça. Bon, il m'a dit, alors je ne l'ai pas vérifié, je reconnais, mais il m'a dit qu'on lui avait demandé il avait eu la possibilité de le faire. Il a refusé par conviction et puis sentiment de trahison. Qu'il ne pouvait pas surmonter. Bon, c'est pas un documentaire sur la Stasi, c'est vraiment un documentaire sur le mur. Mais bien sûr, la question est importante de voir le rôle de la Stasi. Une question que moi j'aurais comme historien quand je regarde le film comme genre de narration historique, ce qui me frappe un peu, c'est la chronologie en termes de début et de fin. On commence avec la Stunde Null et on s'arrête au moment de la chute du mur. Ce qu'on a appris dans beaucoup de recherches historiques sur les guerres, première, deuxième guerre mondiale, guerre froide, c'est que si on veut vraiment comprendre ce développement, ces processus très complexes de développement historique, il ne faut surtout pas s'arrêter à des dates fixes, 0 ou 89, mais surtout étudier les phases de transition, les sorties de guerre, parce que ça change énormément l'interprétation de ces événements. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi ces dates fixes comme début et fin de votre narration ? Parce que je crois qu'inconsciemment, on a été pris par l'envie ou l'obligation de raconter une histoire qui est pas qu'un mur, qui est l'histoire d'une république démocratique allemande à côté d'une autre république allemande. C'est peut-être inconscient, parce que la RDA a suivi les mêmes évolutions que les autres pays frères du bloc socialiste, comme on disait, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, etc., en Hongrie. C'est-à-dire tout était sous la férule de Moscou. Mais l'Allemagne de l'Est avait une particularité que personne d'autre n'avait, c'est qu'il y avait un État allemand miroir de l'autre côté. Et ça induit... C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire de l'Allemagne de l'Est est très différente de l'histoire de la Pologne et autres. C'est-à-dire chaque fois, l'Allemagne de l'Est s'est trouvée dans une situation de devoir agir non pas en fonction que de ses intérêts tels que les dirigeants le voyaient, mais en fonction de l'adversaire qui était là à côté, qui touchait, qui était de l'autre côté du mur. Et je crois que ça explique beaucoup des événements très spécifiques. Donc on s'est retrouvé dans cette situation. Ça n'a pas été raisonné, hein, je vous le dis aujourd'hui, mais à l'époque, j'en avais pas conscience. Je crois que Stunde Null, quoi, c'est... Quand vous voyez Berlin, ça exprime bien ce qu'on a voulu dire, quoi. C'est-à-dire que c'est la chute de quelque chose qui était quand même inattendu dans l'histoire de l'Allemagne, le nazisme, et la dévastation du pays, et en tout cas de sa capitale. Et tout est à reconstruire. Et quand tout est à reconstruire, on a tendance à dire « Stunde Null », ça c'est vrai. Après, bon, là, il faut bien s'arrêter un moment. Si vous me trouvez un producteur qui est prêt à financer un film de 5 heures, on ne serait peut-être pas arrêté à la chute du mur proprement dite. Elena ?
Je voudrais vous poser deux questions. Vous êtes arrivé lors des premières heures de la chute du mur de Berlin en tant que reporter. Quels sont vos souvenirs personnels de ce moment-là? Et ma deuxième question, vous revenez 11 ans après en tant que correspondant à Berlin. Et quel est votre regard de 2001 par rapport au Berlin que vous retrouverez à ce moment-là? Alors, au risque de vous décevoir, je dois dire que je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai pensé le jour de la chute du mur. Enfin, le premier jour, ce fameux 9 novembre. Je ne me suis pas dit, je l'ai dit à un de vos amis ce midi, en disant, je ne me suis pas dit, tiens, ce jour-là, je pensais ceci. J'ai vu des gens qui ont été capables de le dire lorsqu'ils ont été interviewés. Moi, pas. Je ne me souviens pas. Comment ? Moi, je m'en souviens très bien. Moi, je me souviens très bien, par exemple, de la sortie de prison de Nelson Mandela. Je me souviens très, très bien de l'assassinat d'Yitzhak Rabin à Tel Aviv. Je me souviens d'autres événements comme cela, de l'entrée des chars soviétiques à Budapest, par exemple. Mais l'histoire du mur, je ne m'en souviens pas. Alors ensuite, je me souviens de ce que je vois lorsque j'arrive sur place, ça c'est vrai. Et ce que je vois essentiellement, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'espèce de sidération des organismes de sécurité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était vraiment très, très fort pour moi. J'avais beaucoup voyagé avant, en Allemagne de l'Est, dans les pays du bloc socialiste. Je sais qu'il y a un domaine d'activité que j'exerçais. Et j'étais toujours frappé par le fait que, la police locale, depuis le passage de la frontière à l'aéroport ou en train jusque dans les démarches administratives quotidiennes, elle était sans hésitation, sûre d'elle-même, sûre et dominatrice, comme on dit. Bon, là, ils étaient dans le vague le plus absolu. Ça, c'était frappant. Ils en étaient même polis. Ils ne savaient pas trop que faire, quoi. Et ça, pour moi, c'était très, très frappant. Ça, c'est mes premières souvenirs de mon arrivée à Berlin en 89. Et ensuite, pendant deux semaines, j'ai voyagé dans tout le pays. Je ne suis pas resté à Berlin. J'ai voyagé dans le pays. J'étais à Leipzig, à Erfurt, à Dresden, enfin partout. Et j'ai essayé de voir le maximum, non pas de gens qui étaient dans la rue et qui vivaient la révolution, qui la faisaient, mais les responsables ou les anciens responsables ou ceux qui avaient eu un pouvoir, qui avaient eu un pouvoir d'influence. Et ce qui était frappant aussi, c'était leur interrogation rétrospective. Ils disaient, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprenaient pas, tout simplement. Évidemment, certains d'entre eux avaient des hypothèses, mais la plupart étaient là aussi muets et contrits, un peu en disant on a dû faire une grosse connerie, mais on ne sait pas laquelle. Où est-ce qu'on a merdé, quoi. En gros, c'était ça. C'était extraordinaire comme sentiment. Voilà, ça c'était. J'ai oublié la deuxième partie de votre question. On revenait en 2001. Ah oui. Je dois dire que je me suis retrouvé à Berlin, donc exactement 10 ans après, un peu plus de 10 ans. En 2001, effectivement, je me suis installé à Berlin-Est. Enfin, c'était pas Berlin-Est, c'était Berlin, mais c'était encore la partie de Berlin-Est. Est-ce par hasard, parce qu'il y avait un appartement libre à ce moment-là, à cet endroit, j'en sais rien. Mais je me souviens que j'ai passé mes premiers mois à déambuler dans la rue en essayant de retrouver les endroits que j'avais croisés. Et puis l'ancien Berlin que j'avais connu, parce que j'étais venu à Berlin-Est encore quand le régime était solide. J'avais vu des choses, quoi. Et j'essayais de comparer l'un à l'autre. Et on sentait bien une société, des vestiges d'une société qui n'avait pas totalement disparu. Mais qui profitait pleinement d'une espèce de laisser-aller créatif qu'on n'a pas retrouvé après. Je suis retourné depuis. J'ai vécu plusieurs années à Berlin, puis je suis rentré en France, et depuis, je passe beaucoup de temps à revenir. Et je revois une ville
qui est heureuse de vivre, mais qui est très différente et qui s'aligne petit à petit à ce qu'on voit où, dans les villes où passent des hordes de touristes, que ce soit Paris, Barcelone ou d'autres. Voilà. Juste pour l'anecdote, parce que je me souviens très bien de cette date. J'avais fait mon bac cette année-là en Belgique et je m'étais inscrit comme étudiant d'histoire à l'université d'Aix-la-Chapelle. Donc cette soirée-là, dans la maison d'étudiants, on regarde la télé, la chute du mur. Le lendemain ou deux jours après, c'est l'association des étudiants d'histoire qui organise une excursion à Berlin. Et moi, bon élève belge, je dis « Ah non, je ne vais pas rater les cours, je reste. » Donc j'ai manqué ce moment d'histoire historique pour étudier l'histoire. Ça, c'est quand même paradoxal. C'est votre punition, c'est votre punition. Bonjour. Vous avez parlé, j'ai vu votre documentaire avec attention et vous avez parlé sur une personne qui m'intéresse beaucoup, Andrei Gratchev, qui a été porte-parole de Gorbatchev, je le pense. Et je voudrais savoir comment a été le contact avec cette personne, qu'est-ce qu'il a dit sur les dernières années de l'Union soviétique, parce que je suis certain qu'il a contacté avec les dernières années de l'Union soviétique. Comment a été cette expérience? Gratchev, je ne sais pas quel âge il a, mais il était relativement jeune lorsqu'il arrive dans l'entourage de Gorbatchev. Il n'est pas le porte-parole unique, hein. Il est un conseiller sur les affaires européennes. Les affaires européennes, non pas uniquement l'Union européenne, mais l'Europe, comment ça fonctionne. L'Union soviétique, à l'époque, bon, il manquait de connaissances sur beaucoup de sujets, notamment sur celle-là. Et lui, il est emporté, c'est un bon étudiant, et il est emporté par... c'est ce qu'il m'a raconté, en tout cas, la force de conviction de Gorbatchev de changer le système. Il est communiste, hein, Gratchev, comme Gorbatchev, mais il pense que le communisme peut faire l'économie du manque de démocratie, peut accepter la liberté de parole, au contraire, ce sera positif, etc. Ce qu'il n'a sans doute pas compris, ou pas à ce moment-là, c'est que... le système ne reposait pas uniquement sur une idéologie comme ça, en disant marxiste-léniniste, il reposait aussi sur une conception de l'activité économique du pays. Et cette activité économique était centralisée. Il n'y avait pas de propriété privée ou de façon marginale. Et c'était le sommet qui donnait les directives. Qu'est-ce que le pays allait produire? En quelle quantité? Quels étaient les besoins qu'on allait satisfaire en priorité? Et là... c'est là-dessus que l'Union soviétique a buté. C'est-à-dire, si vous ouvrez cette porte-là en disant « laissons le marché discuter des besoins », ben le monopole du pouvoir politique est très très vite mis en danger. Souvenez-vous l'histoire. Ce n'est pas la première fois que ça s'est posé à l'Union soviétique, ce problème-là. Après la révolution de 17, dans les années 20, lorsque Lénine lance sa politique, la nouvelle, la NEP, etc., la question se pose dans les mêmes termes. Il faut trouver un aiguillon qui permet de produire. Et si vous faites ça, vous laissez se développer des forces sociales qui peuvent être, ou qu'on peut considérer comme dangereuses pour la révolution, ou en tout cas ceux qui la dirigent. Et donc la NEP fonctionne un certain nombre d'années, et puis on y met fin brutalement, et puis après il y aura des répressions sanglantes. Bon, ça n'a pas été le cas avec l'Union soviétique, parce que dans les années 80, puisque le pays s'est effondré, mais... il y avait cette idée qu'on pouvait réformer sans vraiment remettre en cause un certain nombre de bases. Et c'est là-dessus qu'ils ont, à mon sens, échoué. Gratchev, lui, était convaincu de la nécessité des réformes, mais comme Gorbatchev, à un niveau politique. Je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu depuis pas mal d'années. Et je ne sais pas ce qu'en pense Gorbatchev, qui a dû l'écrire, mais je n'ai pas tout lu. Et puis voilà.
crois qu'on doit malheureusement prendre fin à cette discussion. Je tiens d'abord à remercier beaucoup Georges Marion pour son témoignage, pour avoir discuté avec nous encore une fois ce documentaire qui, je pense, adresse quand même des questions importantes pour pas seulement les historiens, mais aussi quand on voit qu'il y a toujours des murs qui existent, qui séparent des peuples et des gens. Donc c'est un sujet d'actualité et la seule chose qui change l'histoire, c'est l'engagement civique. Donc si on tient ce message, je pense que ça peut nous permettre aussi de s'engager nous-mêmes dans le sens de ce film et dans le futur. Donc merci d'être venu, merci d'avoir discuté avec nous ce soir. Merci à l'Institut Pierre Werner et surtout à Elena Danesco d'avoir organisé cette première partie du Forum Z. Donc demain soir, il y aura une suite de cette discussion, une table ronde animée par mon collègue Benoît Magirus. Donc si vous avez envie de discuter encore avec nous, vous êtes les bienvenus demain. Merci beaucoup.